La faune sauvage à Madagascar est une source de protéines pour la population rurale. Mais nous avons un problème parce que plusieurs de nos espèces sont endémiques de Madagascar et sont vulnérables aussi. Le défi du gouvernement, c'est d'essayer de concilier cette utilisation durable qui contribue à l'autosuffisance alimentaire des populations rurales et la conservation de ces espèces endémiques de Madagascar. Et dans ce cadre, nous essayons d'impliquer davantage les populations locales dans la gestion des ressources naturelles qui se trouvent dans leur terroir et surtout, notamment, la faune sauvage. Sur le plan de l'utilisation de la faune à Madagascar, le gouvernement entame actuellement des mises à jour des cadres normatifs au niveau national. Comme Madagascar a ratifié les conventions internationales sur la gestion des faunes sauvages, telles que la Convention sur la diversité biologique, la Convention CITES et la Convention sur les espèces migratrices, nous ne pouvons pas ne pas tenir en compte de tous ces cadres internationaux dans la mise à jour de notre cadre au niveau national. Actuellement, nous avons deux principaux chantiers. Le premier, c'est la mise à jour de l'ordonnance 1960 qui régit la chasse et la pêche à Madagascar. Donc, on est en train de faire la consultation de toutes les parties prenantes dans le processus de mise à jour de cette ordonnance. Et le deuxième grand chantier aussi, c'est la mise à jour de la loi gestion locale sécurisée, ou GELOS, qui consiste à faire des transferts de gestion aux populations locales et qui donne aux populations locales plus de pouvoir et plus de responsabilité par rapport à la gestion des ressources naturelles qui se trouvent dans leur terroir et surtout la faune sauvage. La mise en place de la plateforme juridique dans le cadre du SWM est un saut qualitatif dans l'application de la loi à Madagascar. La plateforme juridique permet au grand public d'accéder aux différents cadres législatifs et réglementaires relatifs à plusieurs domaines et relatifs particulièrement à la gestion de la faune sauvage. Donc c'est un outil pour toutes les parties prenantes à Madagascar. Et ça rentre aussi dans l'amélioration de l'administration à Madagascar, qui est en grand axe de la politique générale de l'État actuellement, la digitalisation de l'administration. D'autre part, c'est aussi un grand pas dans l'approche holistique sur la gestion de la faune à Madagascar. Cela nous permet aussi de faire une analyse multisectorielle parce que la gestion de la faune à Madagascar, c'est un chantier multisectoriel et ça ne relève pas tout simplement du ministère de l'Environnement, mais ça concerne plusieurs parties prenantes. Donc ça nous aide beaucoup à faire le suivi des réformes qu'on a déjà entamées et ça nous permet aussi d'avoir un tableau de bord par rapport à ce qui va être amélioré, à ce qui va être fait dans l'avenir. Nous sommes en train de faire la vulgarisation de cette plateforme pour que le grand public puisse jouir de l'existence de cette plateforme et pour que cette plateforme puisse contribuer à l'application de la loi à Madagascar.